on fait une petite vidéo de contrôle du colis qu'on a reçu. Ouais. Alors, il faut d'abord contrôler ça. Voilà. Alors, on a reçu là. On va contrôler le jacuzzi. Ouais. On a reçu ça avec. C'était compris avec le jacuzzi. Ouais. Et on l'a eu en plus. Bon, ça va être le petit cadeau qu'ils ont. Non, c'est compris avec. C'est compris, mais à la base. C'est pas un cadeau. Il est pas ouvert. J'ai payé en même temps. Je coupe le scotch, hein, chérie. Ouais, ouais. Putain, la vache, il est costaud, le scotch. Bon, bah, c'est pas coupé, c'est décollé. Toc. Un CD d'assises. Ça. C'est des assises. Hop. Ça se met dans le fond de l'eau. Et c'est pour rehausser, parce que chérie, elle ne voulait pas s'asseoir au fond, hein, c'est ça? Non, c'est pas que je ne voulais pas m'asseoir au fond, c'est que je suis tellement petite que ça va déborder. Ouais, faites voir, là, fais voir ça. Non. Mais fais voir que je vois, que tout le monde voit et que tu es là. Bon, oh là là là. Vous voyez un peu les crises d'autorité que je suis obligée de supporter. Non. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais il me pique tout le temps mon téléphone. Mais c'est pour te montrer. Ouais, c'est pas que pour me Tac. Montrer. Si, tiens. Voilà, c'est moi. Ah bah oui, t'as dit que... Vas-y. La chaîne du plaisir. Fais nom. Martine Pierrot Le Phénix PM. C'est la chaîne de... Des Phéniciens et des Phéniciennes. Mais la chaîne du plaisir. Oh, dis donc. Abonnez-vous. Tu t'es habillée vachement court, hein? Non, mais... Je suis en short. Ah, j'ai cru que... Ah ouais, je croyais que tu voulais faire de l'œil à quelqu'un. Hop. Bon, et vous voyez, donc, ça, c'est des assises. Il y a des ventouses dessous. Ouais, qu'on met au fond de l'eau. Et ça se met au fond de l'eau. Voilà, comme ça. Parce que je suis pas grande. Elle est pas grande, donc ça va la rehausser, elle va s'assister là-dessus. Voilà, il y a deux assises. Alors voilà, comme ça, on en a chacun une. Moi, ça va me rehausser. Parce que je ne suis pas trop grand non plus. Bah, c'est pas grand, 1m76. Non, tu ne fais plus 1m76. Bah, c'est pour ça qu'il faut que je rehausse, parce que vu que je ne l'ai fait plus, il faut que je rattrape ce que j'ai perdu. Hein? Bon, allez, on continue. Bon, bah, je vous repasse... Madame, tu feras une photo des assises. Hop. Attends, je fais une photo de toi. Regarde-moi là. De toute façon. Ça y est. C'est moi le plus beau. Voilà. Allez, des assises. Alors, donc, deux assises. Et elles sont encore, on dirait de la mousse, c'est bizarre. Hein? Voilà. Ça m'embête un peu de les ouvrir. Je sais pas si on peut ouvrir. Bah, ça a l'air de bien s'ouvrir. Tu les remets dans les sacs après, hein, parce c'est... que on va l'installer. C'est on dirait que cet été. Oh non, c'est bien ça. C'est bien ça. Ça va aller dans l'eau, ça. Oh oui. Ouais, c'est une petite tente pour aller dans l'eau, de toute façon. Ça a l'air d'être pas mal. Hein. Bah voilà, les assises. Bah, de toute façon, il faut garder les sacs. Parce qu'on le remettra dans sa boîte pour que ça fasse. Oh. Coussin d'assises. Hein? Pour tous les types des bassins. Ouais, et puis tu dois pouvoir le mettre pour la tête. Ah, j'en sais rien. Parce que il y a une femme qui a sa tête dessus. Non. Non. C'est pas comme ça. Ah bon? La femme, elle a pas de coussin derrière. Hein. C'est le rond du plastique de la... Ah ouais, de la... Du machin. Ouais. Il faut pas faire ton film comme ça. Oh là. Chaudi. J'ai mis comme un rond là-dedans. Comme ça. Voilà.
Voilà. Bon, donc ça, c'est bon, ils sont nickel, ils sont pas abîmés. Hein. D'accord ? Ouais. Hop. Après, là-dedans, on a un disque d'installation. Mmh. T'as t'as le bouquin d'entretien. Mmh. Et des machins de réparation. Ouais. Un kit de réparation. Oh, ça, c'est des conneries, des trucs de réparation, parce que j'ai déjà eu une piscine, comme ça, si tu te rappelles. Mm-hmm. Et il y avait des machins de réparation. Il y a un gamin qui l'a percé, on n'a jamais pu la réparer. Ça n'a jamais collé. Si tu te rappelles. Hein. Ouais. Non, non, faut éviter les enfants dans ce genre de... Ouais, je leur achèterai une piscine. Hein? Je leur achèterai une piscine. Ouais. Bah, les petits enfants, on va dire. Hein. Les plus grands. Quand on est avec eux. Alors ça, c'est donc le moteur. Tu vois? Faut que tu filmes dedans. Ça, c'est le moteur électrique ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Qui fait la pression. Ouais. Là, il y a un truc électrique. Ah, ça doit être l'arrivée du jus, ça. Non, ça rien. Bon. Toc. Bon, bah, c'est là. Hein. Parce que... Tu regardes sur le carton, hein. Sur le... Si tu sais ah, pas. Oui, sur le carton, comme ça. Savoir, il est où, c'est où? Non, ça doit être devant là. Devant moi? Oui, oh, pardon. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce fil là, ben, je l'ai là. Il y a le moteur, moi le là. Ouais. Je sais pas s'il y a des poignées, mais ça pourrait être. Il y a un tuyau comme ça. Il y est. C'est un tuyau? Ah ouais, il y en a un, c'est pour gonfler. D'après ce que j'ai compris. Alors, je vais le mettre là, en attendant. Ouais. Toc. Ah ouais, t'as trois petits comme ça. Trois petits comme ça, c'est bon. Là, alors maintenant, le bouchon, je l'ai vu quelque part, le bouchon. Un autre sac, là. Tiens. Voilà. Les bouchons, ils sont là. Il y a 4 bouchons, 5 bouchons. Ça fait 2 bouchons comme ça. Un machin comme ça. Et ah, il y a même un truc universel qui a été mis en plus. Dedans. Que là, il ne montre pas. Mm-hmm. Ça. Celui-là, là. Ça doit être pour moi. C'est un bouchon, ça. Non, c'est pour mettre un tuyau d'eau, je pense. Ça. Mm-hmm. Tu sais, c'est un truc automatique pour mettre les tuyaux d'eau. Là. Mm-hmm. Comme dans les tuyaux d'arrosage. Ouais. Bah oui, parce que de toute façon, il faut de l'eau. Hein. Ouais. Le kit réparation y est. Ça, là, y est. Alors, il y a un espèce de grand tuyau blanc. Bon. On va essayer de sortir ça déjà, voir comment c'est. Tu veux que je t'aide? Ah la vache! Ah bah dis, c'est un. C'est un gros moteur. Hein. Tu vois? Là il y a une porte. Donc qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans? Oh là, il y a du jus là-dedans. Oh putain, faut pas toucher. On va fermer ça tout de suite. Un fil électrique, ça doit être une protection. Voilà, de toute façon, là il y a des petits joints autour, il y a tout. Là, ça va être les branchements, toi, des petits tuyaux noirs. Là. Ça, c'est le réglage. Ah, putain, c'est un sacré moteur hein. Et c'est lourd, hein. Le copain, il est lourd. Hein. Hop, ça doit être le. Là, il y a encore un truc de rangement.
Ah non, c'est les filtres. Ouais. Alors, il y a un filtre comme ça. Ouais. Et ça, c'est le boîtier du filtre, tout voilà. Simplement. Bah, toi, c'est pour les ranger, c'est bien. Ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça. Ça doit se visser dans le... Comment ça s'appelle ? Dans la baignoire, hein, je sais pas comment ça s'appelle, la piscine, là, dans le... Dans le jacuzzi. Dans le jacuzzi. Ouais, parce que dans la baignoire... J'ai pas acheté une baignoire encore. Oh, Pierrot, vous savez... Il... Donc ça, ça se met là. Oh là là. Voilà, ça, ça s'enlève du plastique et puis ça se met là-dedans, certainement. Ouais, ça va être ça, hein. Non, ça se fait comme ça. Bah, ça se permet plus, monter dedans. Là, c'est le plastique qui doit empêcher. Ouais, ça va être ça, ouais. Ça doit se mettre comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. On va pas le déballer. C'est parce qu'il a, il a, hop, puis ça, ça va là-dedans. Donc ça, c'était rangé là. Et ça, il faudra qu'on en achète. Hein. Ah ouais. On va avoir un ou deux d'avance. Mais bon, ça se nettoie, il ne faut pas les changer à chaque fois. Il hein. Faut les nettoyer, je pense. Hein, hein? Bah ouais. On pense plus, toi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? C'est tout. Donc on va le redescendre à sa place. Hein? Mmh. Non, c'est trop léger, ça. Ouais. Ouais, bon, bah voilà, c'est pas abîmé, pas cassé, rien. Hein, hein? Mmh. Parce que là, ils m'ont envoyé un mail par lequel que je devais donner ma réponse si j'avais reçu le jacuzzi. Ouais. Entier. Ouais. Ah ouais, évidemment, il faut contrôler. T'as pas répondu avant d'avoir... Ah bah non, j'ai pas répondu, ça c'est sûr. Alors ça, il faut contrôler. Toc. Donc ça, c'est la mise en service. Hein? Mm-hmm. C'est une protection en cas de mauvais contact. Hein, mmh. Maintenant, on fera lire, hein. Faudra lire la mode d'emploi. Bah oui, on prendra le temps de lire la mode d'emploi. Voilà, ça c'est que faut que tu leur expliques, ils vont pas comprendre pour qu'on l'installe pas tout de suite. C'est parce qu'on veut acheter des, ouais, c'est parce qu'on n'a pas de en fait, on n'a rien de stable. Hein. Dehors. Alors, on veut faire un petit parquet, pas un parquet, mais... C'est pas un parquet, on va mettre des dalles. En des béton, dalles. De 40 sur 40, là. Ouais. Si quelqu'un en a qui veut se débarrasser à pas très cher, parce que je connais le prix que ça vaut, c'est pas si cher dans le commerce. Si quelqu'un a des dalles de 40 sur 40... Même de 50 sur 50. Hein. Même de 50 sur 50, c'est pour faire une terrasse. Hein, ouais. Minimum, c'est 40 sur 40. Hein. Ouais, autrement, oui, il y en a de 50 sur 50. Ouais, il en faut 4 pour faire 1 mètre carré. Quoi. Voilà, c'est ça. Il me faut environ, pour mettre sous le jacuzzi, je crois qu'il doit falloir dans les 6 mètres carrés. Et pour mettre à la balancelle, il me faut aussi 6 mètres carrés. Alors, si vous en débarrassez, que vous les donnez, ou alors à un tout petit prix... je peux être intéressé pour en parler. Hein, parce qu'il m'en faut quoi, ouais, 12-15 mètres carrés, quoi. Mmh. Même si vous en avez plus, je les prends, hein, c'est pas le problème. Hein. Ouais. Parce que ça nous servira et on a sous la table à mettre et tout. Mmh. Voilà. Voilà, ben ça c'est complet là, pour le moment, hein, chérie. Ouais. Pour pas que les papiers soient abîmés, c'est ce que je vais faire. Parce qu'il y a un disque, il y a un disque. Mmh, tu le mets dans le carton? Je vais le mettre avec ça. Ouais, hein? Mmh. Pour que ça ne soit pas abîmé. Toc. Bon, alors je vais remettre son tuyau là.
Et puis c'est garanti, s'il y a un problème, on les appelle, ils viennent chercher le morceau qui manque et ils le remplacent. C'est vachement bien ça. Ouais. C'est rare les boîtes consciencieuses. Hein. Voilà. Tiens, je vais mettre ça avec aussi. Tiens. Mmh. Tu peux emballer avec ça. Ouais. Hop. Bon, bah là pour le moment, on a l'air de rien monter. Je remets ça. Ouais. Là, je trouve que je n'ai pas du bien à remettre. Voilà. Hop, alors voilà pour ça. Et on mettra du scotch tout à l'heure. On mettra du scotch ? Tout à l'heure, ouais. Histoire qu'elle soit. Ici, t'as les bâches. Hop. Alors là, ouais, on a des bâches. Donc là, ici, donc, si on reprend le dessin, on doit avoir une bâche, deux bâches. Non, ça, c'est le. Ça doit être le dessus, la bâche du dessus. Ou la bâche du dessous. Il doit y avoir la bâche du dessous et la bâche du dessus. Voilà, il y a deux bâches, tiens, tu vois. Mm-hmm. Là, ça, ça doit être la bâche du dessous. Tu vois. On met par terre. Ouais. Pour protéger en dessous. Donc, là, tu fous la bâche. Bah, tu vois, à peu près, si on mesure, on sait à peu près la surface qu'il faut. Mm-hmm. Hein? Ouais. Alors regarde, on va mesurer. Ouais, mais. Bah quoi, si quelqu'un a des dalles à nous filer, ouais. Ça peut être intéressant. Hein. Mmh. Il ne faut pas que vous soyez trop loin de l'équipe, je puisse aller les chercher. On va mesurer la moitié. Voilà. Un mètre. Ça fait un mètre. Ça fait 2 mètres. Hein. Ça fait 2 mètres. Ben ça fait ce que j'ai dit. Hein. Ça fait 2 mètres. Et grosso modo, pour pouvoir marcher autour et tout sans problème, il faut un bon 6 mètres carrés. Hein mmh. Un bon 6 mètres carrés. Et puis pour ta balancelle, pareil. Là, c'est le cadeau d'anniversaire de chérie. Donc il ne faut pas oh, c'est pas trop. Mon cadeau d'anniversaire, hein, c'est que j'en voulais une balancelle. Bah bien sûr, oui, mais il y a longtemps, tu l'as voulu pour ton anniversaire. Ah bah oui, on oui. On est un petit peu en retard, c'est pas grave. Parce que j'ai eu mon fauteuil hein, pour mon anniversaire. Ouais. Allez, c'est pour nos anniversaires à nous deux. Ah bah non. Alors. Ah non. T'as vu? Vous voyez comment qu'elle est, hein. Ah oui, oh non, hein, c'est pas ça. Hein. Puis après, bon, bah allez, c'est pour l'anniversaire. Ah non, ça va être toute seule. Hein. Non. J'ai pas le droit de me mettre dedans, là. Si, si. Là, comme c'est fait là, j'ai le droit de contrôler, mais pas de m'en servir. Si, si, t'as le droit de t'en servir. J'ai même le droit de le monter, hein, je crois. Hein. Ouais, t'auras même le droit de le monter. Voilà, mais pas de m'en servir. Si, 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 t'inquiète. Ah là 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 là, elle avait oublié qu'elle était en train de filmer, là, vous voyez. Non, non, j'ai rien oublié du tout. Ouais. Moi, je suis vrai. Hein, c'est pas parce que on est en vidéo que je dis pas ce que je veux. Oh là 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 là, cette phénicienne, alors. Hein. Faut que ça partir. Hein. Bon. Alors ça, faut plier ça en deux. Ça doit être plié en deux, je pense. Je me rappelle plus comment je l'ai fait. Tu t'en rappelles, toi? Ah bah non, c'est toi qui l'as défait, chérie. Ouais, c'est plus en trois comme ça. Bon, alors, tout ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut grosso modo 6 mètres carrés, il faut 12 mètres carrés de dalle. Pour bien faire. Pour qu'on ait tout ce qu'il faut.
Donc ça, c'est le dessous. Ouais. Donc c'est bon, il est là. Je sais pas si c'est bien le dessous. Si, si, c'est le dessous, ça. Parce qu'il y a des sangles, quand ouais, même. Mais c'est pas grave. Le dessous, il s'attache avec le dessus pour pas que ça s'envole. Ah ouais? Ah oui. D'accord. C'est vachement bien étudié. Et ça, c'est le dessus. Tu vois? Toi? Mais ouais. Ça, c'est plus épais, donc ça va dessus. Tu vois? Ça, c'est la housse de dessus. Ça. Voilà, on va pas la défaire. Hein. Ouais, tu vois, pour garder la chaleur. Bon, celle-là, je sais même pas, il y en a qui se gonflent, mais celle-là, je ne crois pas qu'elle se gonfle. On s'en fout, c'est pas grave. Hein. Non, ouais. Voilà, ça. Voilà. Et bon, c'est bien parce que il faut mettre une housse, il ne faudrait pas que Mimine elle tombe dans l'eau. Hein. Hein? Ah mais même, ça protège l'eau, hein. Bah puis même un enfant, hein. Et puis oui, voilà, les conneries qui peuvent voler. Bah donc on a nos deux bâches, c'est bien. Alors, ça c'était juste plié comme ça, je crois. Hop. Et puis ça. Ça, ça va être plié comme ça. Et comme ça, voilà. Donc ça, c'était... à l'intérieur de ça. Ça, c'était plié. Comme ça. Et ça, c'était mis là-dedans. Toc. Voilà pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Juste le spa. Voilà. Donc, ça, ça doit être le spa. J'ouvre. Bah oui. Mais par contre, je vais pas le sortir, hein, parce que... Ah non, parce que, je veux dire, c'est pas sûr que tu arrives à le rentrer. Oh, bah si, bah, il faudra bien le ranger, hein, l'hiver. Hein. Ouais, mais j'achèterai un coffre, hein. Un quoi? Un coffre. Oui, on le laissera sous la tonnelle. Ouais. Hop, ouais, c'est ça, c'est le spa. Voilà, donc là, il y a un tuyau transparent. Là, il y a un tuyau transparent qui montre... Là, bah, voilà, c'est ça, c'est le spa. Hein. Ouais, bon, bah... Hein. Apparemment, il y aurait tout dedans. Hein. Donc, voilà. À la vache, ça épile ça. Voilà, ça c'est le spa, il y a tous ces branchements, il y a... Voilà. Mais ça c'est épais, hein. C'est pas de la touche. Ouais. C'est pas mal, on dirait du cuir. Hein. Mmh. Hein. Voilà, puis là il y a un tuyau, je pense que c'est ce tuyau. Bon, ben, il veut pas que je regarde. Il a rien rentré. Ah ouais, ça y est. Ça, c'est le tuyau de vidange. Ça, c'est en dessous. Ça, c'est le dessous. Et c'est le tuyau de vidange qui est là. Voilà. C'est pour quand tu veux le vider. Ah ouais. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il
doit y avoir ici là, à l'intérieur, il doit y avoir un bouchon, mais il est déjà dedans. Voilà. Je veux pas la panne, c'est important parce que ça servira pour dire quoi. Ça. Voilà. Et j'ai été me renseigner, quand vous mettez les produits là, à base de chlore et tout ça dedans, faut les laisser 8 jours sans en remettre d'autres. Et au bout de 8 jours, ils sont plus efficaces. Ça veut dire qu'après, on peut utiliser l'eau pour arroser les fleurs. Et faut laisser 8 jours sans en remettre. Tu peux te servir du spar quand même. Mais si tu es une semaine sans remettre du produit, ça le neutralise. Il ne sert plus. Tu sais comment dire? Il n'est plus actif. Ça veut dire qu'après, l'eau, plutôt que de l'acheter, tu la prends et tu en vides un maximum dans un petit récipient, tu sais. Tu remplis avec un pichet ton récipient et tu vas pouvoir arroser tes fleurs avec. Voilà. Elle n'est pas nocive. Par contre, il ne faut pas arroser avant 8. Moi, je vais attendre un peu plus. Quoi. Moi, je vais attendre deux semaines, 10 jours, une bonne 10, 11, même peut-être 15 jours. Histoire d'être bien sûr que l'eau, elle est bien neutralisée. Tu sais, elle est plus. Que le produit ne soit plus actif. Quoi. Et ensuite, tu peux arroser tes fleurs. Tu arroses tes fleurs avec, ils ne craignent absolument rien, et puis ça t'évite de jeter l'eau. Hein? Et puis déjà, nous, l'eau, c'est pas de l'eau de ville qu'on va prendre. C'est de l'eau de puits. J'ai une réserve d'eau de puits, elle va servir à ça. Ça évite d'user de l'eau qu'on achète. Hein. Parce qu'il y a 800 litres hein, quand même. Hein. Ouais. Ah oui. Alors, on va prendre l'eau de puits. Ça coûtera moins cher. À notre portefeuille. Et puis personne ne pourra nous le reprocher. Parce que ça ne sera pas de l'eau. On ne gaspillera pas l'eau, quoi. Hein ? Ouais. Surtout que depuis quelques années, je ne fais plus de jardin. Eh bien, j'ai cette réserve d'eau. Là, elle est pleine. Et vu que c'est pas de l'eau qu'on boit ou qu'on consomme, autant qu'elle serve. Hein ? Comme ça, c'est sûr. Une réserve d'eau aussi grande que la cuisine jaune là-bas. Tu vois, j'ai largement 800 litres d'eau. Hein. Et puis dans l'hiver, le peu de pluie qui tombe, ça se remplit. Donc, tu vois, on va prendre ça. Ça évitera de gaspiller l'eau. Hein? Voilà. Alors, il ne sera pas monté là. Il sera monté que l'été prochain. Ah bah oui. Alors, on vous fera bien sûr une vidéo du montage. Ah bah oui, mais il faudra attendre un petit peu. Ouais. Hein? L'été prochain. Ça vous fera une vidéo à faire, hein, j'ai pas. Voilà. Et la balancelle. Et la balancelle, pareil. Je vous ai pas fait de vidéo de... C'est pas compliqué. Si vous connaissez des dalles ou autres, vous m'en faites part sur les commentaires. On se recontacte en privé après. Mais... faut déjà que je trouve des dalles avant de la monter. Je vais pas la monter sur la terre. Ça va pas le faire. Et il est hors de question que je fasse ça. On est d'accord. Tu me vois? Parce que j'ai pas l'impression que tu me vois. Bien sûr que je te vois. Ah, tu me vois? Bon, oui. Donc, je la monterai pas tant que j'aurai pas de dalles. Ça, c'est une chose claire. Parce que je veux pas que ça soit abîmé. On n'achète pas les choses pour qu'elles soient abîmées. Hein? Ah bah, bien sûr. Bon. Parce que, voilà. Ah ouais, donc il me faut des dalles. Voilà, alors je vais vous dire à peu près le prix. Je l'ai payé moins de 300 euros. Voilà. Ah oui. Le jacuzzi. Ça vaut, alors tu peux leur dire ce que ça vaut. Hein. Ça vaut entre 6 et 700 euros, celle-ci. Là. Le prix réel. Bah, c'est ce qu'on a vu dans les magasins. Hein. Tu l'as vu à combien, toi? Même à la farfouille, tu l'as vu à combien, hein? À 899 euros. Tu vois, je ne me trompe pas, je dis 700 euros. Et nous, on l'a eu en promotion, là, en fin de saison.
Pour 200 balles, 200, un peu plus non. De combien 200, 299 euros. 299. Un peu moins de 300 euros. Voilà, c'est ça que ça vaut. Voilà. Nous, c'est ce qu'on a mis dedans. Et puis, on n'aurait pas mis plus cher parce qu'après, il faut avoir les moyens. Non, non. Moi, j'étais prête à mettre 300 euros, pas plus. Voilà. C'est... Après, il faut avoir les moyens, quoi. Ouais. Tu peux, d'une main, tu peux tenir ça? Attendez. Ouais. Parce qu'il me fait travailler. Hein. Ouais. Hop, merci. Hop. Alors, je ne vais pas les scotcher tout comme il faut. Hein. Je vais juste mettre un petit bout. Non, juste mettre un bout que ça reste fermé. Pour que ça reste fermé. Hop. Comme ça. Ouais. Bon. Comme ça. Hop. Aïe. Par contre, disons, c'est du carton costaud. Hein. Hop, voilà. Bah alors on attend. Alors si quelqu'un a des dalles, on est intéressé par des dalles. Ouais. Hein. Même si vous en avez moins que 6 mètres carrés. Hein, Oui, même s'il y en a moins. Le peu que je récupère, ça m'en fait moins à acheter, on va dire. Hein. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. Mm. Oui, si vous avez des dalles qui vous embarrassent et qui peuvent m'intéresser pour ça, eh ben, ça nous intéresse. On se fait une bouffe. Si vous me les donnez, on se fait une bouffe, on fait quelque chose. Hein? Mm. Ben ouais. T'es d'accord, chérie? Ben bien sûr que je suis d'accord. Voilà. Comme ça. Donc ça, maintenant, il est protégé pour l'année prochaine. Ouais. Bah oui, parce que de toute façon, faut pas aller trop vite en besogne. Hein. Non. Voilà, on aura... On peut pas... Voilà, et pour mes petits-enfants, j'achèterai une petite piscine. Ouais. Voilà. À nos petits-enfants, on verra d'ici l'année prochaine. Pas non plus faire des frais pour une piscine qui va servir deux fois. On verra. On n'en est pas là. Si ils font pas les clowns, ils iront dedans, mais s'ils font les clowns, eh ben, tant pis pour eux. Ah ah, papy l'a dit, attention là. Hein. Moi, je l'aurais déjà dit. Hein, chérie? Ouais. Là, comme ça, ça s'abîme pas. Il n'y a rien qui rentre dedans, chérie. Ouais. Hein? Ouais. Bon, bah, on va vous laisser. Et bah, voyez, bon, vous avez vu la bordel, là, je sais pas comment ça s'appelle. Le jacuzzi. Le jacuzzi. Et, pensez aux dalles. Hein. Si vous connaissez des dalles... à récupérer, ça nous intéresse, ou de 40, ou de 50, on s'en fout, le principal c'est que ça soit des dalles, et qu'on puisse mettre ça par terre pour protéger le dessous, pour pas la mettre, on veut pas la mettre sur la terre, quoi. On la mettra pas sur la terre, ça veut dire que tant qu'on n'a pas de dalles, on la monte pas, voilà, chaque chose dans son temps, on va dire, hein. Ouais, et voilà, parce allez, que, bon, alors, on vous laisse. Vous êtes sur la chaîne de Martin Pierrot Le Phénix. PM. Et on vous laisse. On prend tous les meilleurs commentaires. Tous les mauvais commentaires, on les jette. C'est pas plus compliqué. De toute façon, on les lit même pas. Dès que ça commence mal, on les jette. Hein? On fait ça, hein? Ouais, ouais. On est bien d'accord, hein? Ça sert à rien de lire un commentaire qui commence mal. De toute façon, s'il commence mal, il finit mal. Donc, on se prend même pas la tête de le lire, on le jette. Voilà. Allez, bisous à vous tous. Bisous, à plus. À plus.